Ah mais là je vois rien. Là je vois pas si je filme ou pas. Bon, allez, c'est parti. Ah. Allez, c'est parti, on rentre à la maison tranquille. Allez, c'est parti, mon kiki. Ouh, ça glisse. Le monsieur est arrivé un peu vite quand même, même dans le rond-point. Bon là, il y a quand même de sacrés nuages. Hein. Il est tombé une sauce aujourd'hui. Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là, rends-moi ça. Oh putain, mais c'est pas possible. Eh ben ça fait le barbecue hein. C'est un magasin de barbecue en plus. Les mecs ils font le barbecue devant le magasin de barbecue. Oh putain, j'ai confondu le feu vert et le feu rouge. Ah putain. C'est tellement en train de regarder la poste, en train de me dire qu'elle est moche, j'ai vu un truc vert passer, j'ai accéléré. Alors que c'était le petit bonhomme vert des passages piétons. Sérieux, je sais pas, il me fait avoir tout seul. Le mec il a cru qu'il était piéton, tu sais. Ah, sans déconner. Ah, il y a un petit, le casque il est deux fois plus gros que lui. Il n'a pas peur, hein. Et les pieds ne touchent même pas les cale-pieds. C'est derrière. Ah, c'est limite un peu dangereux quand même parce que la gamine elle tient pas en fait, elle se tient à son père, je pense que ce soit de son père ou son grand frère, j'en sais rien. T'as les bandes là où c'est interdit moto. Donc je comprends pas pourquoi c'est marqué interdit moto. Oh putain, il est sorti de la voiture et tout, mais sans déconner, mais les gens ils sont vraiment des handicapés du péage les gens. Et on tombe toujours selon nous sur la file où ils sont tous handicapés du péage. Il a toujours pas payé hein. Ah c'est bon. Fait chier qu'il y ait la pluie là. Ils ont annoncé la pluie pour ce soir, demain et après-demain. C'est-à-dire que je vais aller bosser tous les jours sous la flotte. Le problème c'est que j'ai mon pneu avant, il commence à être fatigué. Et que ben, comme on sort de l'été, ben, généralement quand il pleut, vous voyez ces marques noires là au sol. Ben, en fait c'est de l'huile. Et ça avec quand il pleut, généralement, ça devient des petites patinoires. Allez, réveille-toi.
appartient au wheeling. Voilà, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était comme moto, mais elle avait un beau bruit. Sympa. Encore des graviers partout. Et je sais pas ce qu'il y a en ce moment avec les graviers sur les routes, mais alors ça n'arrête pas. Je sais pas si c'est parce que c'est les premières pluies et ça amène tous les gravillons qui sont sur le côté sur la voie, mais alors putain, il y en a plein quoi. C'est chiant. Clignotant au dernier moment. Normalement tu mets le clignot, tu freines, tu tournes. Ben lui non. Lui d'abord il freine et il commence à tourner, puis il met le clignot pendant qu'il tourne. Voilà, moi j'aime bien élargir ma trajectoire dans les ronds-points. En tout cas derrière il y avait une auto-école, comme ça elle comprend bien que je m'envoie à droite, j'ai le clignot. Quand tu as une auto-école comme ça, les jeunes ils sont en formation, on leur apprend des trucs, donc c'est bien quand on est devant de rester très scolaire et de faire un peu comme on leur apprend à eux quoi. Déjà pour qu'ils voient que ça sert à quelque chose. Et en plus de ça, là, ils comprennent le message un petit peu plus facilement quoi. Il y aura des pimpons sur le chihuahua. Alors vous allez apprendre, hein, au fur et à mesure que vous allez voir mes vidéos, vous allez apprendre un truc. C'est que je suis constamment en train de chanter des chansons de merde. Des chansons de l'époque. En même temps, c'est bon signe, c'est que je me sens à l'aise. Et s'il y a des gens comme moi qui ont des goûts de merde, ah ben surtout, n'hésitez pas à chanter avec moi. Hein. Faut pas hésiter. C'est fait pour. Youhou! Il y a une voiture. Ouais, ce virage, il est très 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 con à prendre. En fait, il est vachement déjà engagé sur la droite. Mais comme tu es obligé de regarder à gauche et que tu es à 240 degrés pour tourner la tête, bon, ben moi, j'ai pas une épiralaxie du coup, quoi, tu vois. Donc, il est un peu con à prendre. Ah moi je prends des routes, écoute-moi, un jour je vais croiser un sanglier, je vais pas comprendre d'où ça vient. Hein. D'ailleurs ici il y en a plein de sangliers, hein, des bestiaces comme ça. Là. Par contre j'aimerais pas m'en prendre un jour en moto parce qu'à mon avis, je crois qu'on peut dire au revoir à JC2R. Hein. On peut lui dire au revoir JC2R, bonjour monsieur le sanglier. Je vois des phares là qui bougent pas, qui bougent, qui bougent pas, qui bougent. Eh ouais, il vaut mieux que tu t'arrêtes. Hein. Le problème de ces routes, c'est que dès que tu as quelqu'un en face, c'est de suite très dangereux. Dès que tu as quelqu'un en face, oh putain, il va vraiment, vraiment falloir que je prenne des cours d'orthophoniste, moi. Ah, des fois, je te sors des mots, écoute-moi. Des. Ah, c'est pas possible. Articule, Joël. Articule. Et hop là, hop là, hop la plaque qui est glissante. Celle-là, faut pas la prendre l'hiver parce que je te garantis que tu te ramasses direct. Hein. Ils t'ont foutu une plaque métallique dans un virage. Et en descente. Tu la prends en hiver, à mon avis, tu finis directement. T'as le dos roux, il part en dab. Ah, vous savez que quand j'arrive devant cette station, c'est là où je fais mon petit message de revoir. Donc, au revoir les amis, à bientôt. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. À bientôt et à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures.